Salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode numéro 44 de Mass Effect 2. Il est 16h06, on est le... reprogrammé pour exploser. On est le 11 avril 2015 et on va faire exploser un mecha. Voilà, on va se barrer par contre. Ça. Mobile. Reçu. Ouais, bon, d'accord. Ici le capitaine Ronald Taylor. Vous arrivez pile. Mon équipage a pété les plombs et je viens à peine de m'échapper. C'est bien lui. Il y a... On dirait que le vieux cadavre a été mis là pour intimider. Les autres ont été laissés sur place. Les chasseurs se sont biffés. Ah, vous venez là, au lieu de faire les cons derrière. De combat activé. Changement de cible. Dérivation de puissance. Dérivation de puissance. Système. Fais attention, j'ai automatisé mes défenses quand l'équipage s'est retourné contre moi. Pas le choix. Bien sûr que si, il avait le choix. La boîte d'armes. Système de sauvegarde en dérivation de puissance. Vite, par ici! Impact imminent. Danger de collision. Impact détecté. Demandons assistance d'unité déconnectée. J'ai eu! Je fouille un petit peu là. Allez, je faisais plus grand chose. Ah merde, y'en a pas un aussi. Ah merde, j'ai plus peur. Je suis un peu nourri. Bon. Putain, mais on se passe où là? La vache! La vache! Il a bien profité et maintenant il veut. Intéressant. Ouais, intéressant. Allez, les munitions là, donne à tonton les munitions. En fait, j'ai bien fait de prendre Tali quand même, parce que pour les dégâts, elle est pas mal. On a de la compagnie. C'est un fusil à pompe. Mais non, mais... Tali... Ah bah non, t'as plus de pouvoir, d'accord. Système endommagé. Alerte.
Dérivation de puissance. Système de sauvegarde en cours. Demandons assistance. J'ai bien l'impression que vous allez devoir combattre mes gardes pour me sauver. Il a fallu des années pour les former. Il joue avec la vie des autres. Ce monstre n'est pas mon père. En mode concentration. Préparez-vous. Notre force pour lui. Détonation. Soit arrêté ou pas de secours. Drone de combat activé. Arrêtez et tirez. Oh! Tu m'as fait un poil peur, t'as dit quand même là. Bon, bah, c'est compris. Arme en chargement. Ah, j'ai grave mangé là. Bon, on prend ça. Assez joué. Je veux voir mon père face à face. L'entendre se justifier. Vache. Élément 0. 500. Ok, là on est bien, on est bien, on est bien. Quasiment full, allez comme ça. Voilà, là on est full munitions. Il y a un PDA là. Ok. On va avancer, il nous reste combien? 12 minutes quasiment. Ah, le plat son père. Ah, vous voilà. Je savais qu'un vrai commando n'aurait aucun problème à se frayer un passage. J'espère que les mécas ne vous ont pas trop retenu. Quand on sera de retour dans l'Alliance, je vous trouverai une belle récompense. Je dois avoir pas mal d'arriérés de soldes. Et votre équipage, capitaine suppléant? Un désastre. La nourriture toxique les a rendus sauvages. Ils m'ont hissé là comme si c'était une sorte de rituel. Il a fallu que j'envoie le signal à leur insu. Un vrai calvaire. T'as rien trouvé de mieux? Vous laissez tous vos hommes tutoyer leurs supérieurs? Et qui êtes-vous, au fait? Je sais pas, voici Jacob. Commandant Shepard, du Normandie. Je crois que vous connaissez déjà Monsieur Taylor. Taylor? Jacob? Non, pas Jacob. Pourquoi pas moi? Tu penses que quelqu'un d'autre jugerait moins sévèrement ces 10 années de crime? Comprenez bien une chose. Ce n'est pas de ma faute. Le commandement, ça vous change un homme. Je n'y étais pas préparé. Avant de partir, j'ai veillé à t'inculquer les leçons nécessaires. J'espérais pouvoir m'en tenir à ça. Dix ans, pourquoi? Je sais me montrer raisonnable, capitaine. Mais 10 ans, que s'est-il passé? Bon sang! Pourquoi avoir fait ça à ton équipage? Ils se sont opposés au plan. Nous avons dû sévir pour maintenir l'ordre. Ensuite, ça s'est calmé. La dégénérescence est apparue et on les a accompagnés du mieux qu'on pouvait.
Certains avaient l'air heureux, reconnaissants même. Aux innocents les mains pleines, comme on dit. C'était facile d'asseoir mon autorité au début. Après quelques mois, le grade, le protocole, tout ça n'avait plus cours. Ils étaient comme des animaux qui défendent leur territoire. Si bien qu'il a fallu les soumettre par la force. Et rapidement, je me suis fait à ma nouvelle vie. C'est tout? T'as joué au dieu dans ton harem? 10 ans à vivre dans un fantasme d'adolescent? J'aurais du mal à dire quand tout a vraiment dérapé. Mais une fois la balise en état, je me suis dit que ce serait mal avisé de révéler notre histoire. Vous répondrez... Les autres officiers... Que sont devenus les autres officiers? Anders a eu un cas de conscience. Trop tard pour faire machine arrière. La discussion s'est envenimée et il y a eu un accident. Tu l'as tué, quoi. C'est moi qui commande les mécas. J'ai été forcé de sévir pour me faire respecter. Mais une fois que tout est rentré dans l'ordre, je suis resté bienveillant envers mon peuple. Dans un sens, j'avais gagné la paix. Vous vous êtes disputé l'équipage comme si c'était des jouets, des objets. Votre fils les a morts. Vous ne vous sentiez pas tenu de partir d'ici pour retrouver votre famille? J'ai donné de bonnes bases à mon fils. C'était un gamin futé. Mieux valait qu'il suive sa propre voie. On a compris ça bien avant que je me lance dans les missions galactiques. Et quand les choses ont dégénéré, je me suis dit que le mieux était de disparaître de la carte galactique. Jusqu'au moment où t'as eu besoin d'être sauvé. C'est ça. Le temps est réservé. Les autres officiers, ouais. Que sont devenus les autres officiers? Anders a eu un cas de conscience. Ah ben non, mais on l'a déjà dit. On l'a j'ai déjà été forcé dit. De sévir. Vous vous êtes disputé l'équipage. Les dégâts sont irréversibles. Des objets. Ces types-là, on peut les aider. Cerberus peut organiser un ramassage d'ici quelques jours tout au plus. Il ne vaut pas le carburant pour l'extraire ni l'air qu'il respire. Et heureusement pour lui, il ne vaut pas non plus que j'appuie sur la gâchette. Tu vas quand même pas tuer ton père. Oh, je non. sais pas qui vous êtes, mais vous n'êtes pas le père que j'ai connu. Il ne peut plus fuir la loi. On va le remettre à l'Alliance. Pour chaque année qu'il a passé ici, il en passera 10 derrière les barreaux. Ouais, donc il a 100... Le temps n'y changera rien. S'il a pu commettre ça, c'est qu'il ne distingue plus le bien du mal. Désolé, Jacob. J'ai fait de mon mieux. Je t'aurais peut-être cru il y a 10 ans. Bon, j'ai même pas eu à choisir s'il le tue ou pas. Enfin, si j'aurais pu... Mais bon, même si ça reste son père, on tue pas son père. Les survivants d'Aya sont éloignés par le personnel médical de l'Alliance avec l'aide de Cerberus. L'expérience n'a pas traumatisé Taylor et c'est une bonne chose. Ah, Jacob Taylor est fixé sur son père. N'est plus fixé sur son père, à mon avis. Il est désormais pleinement concentré sur la mission. Ah oui, non, il est fixé sur le sort de son père. Oh la vache. Ok, non, j'ai rien dit. J'avais compris l'envers. Bouclier absorbant. Jacob, nouvelle tenue pour Jacob, le pistolet lourd c'est pas mal. Ok, élément 0. Oh, 500, ouais. Et c'est fini. Crédit combien? 30k. On va direct s'occuper de Jack. Oui, c'est Jack. Occupons-nous d'eux. C'est bizarre de dire Jack et elle dans la même phrase. Beau travail. Qu'il ne voit même pas le bout de nos clignotants. Bien reçu. Comment ça, c'était pas vous? Jacob, si j'avais divulgué l'emplacement du Gernsback, la façon dont vous avez résolu l'affaire me décrocherait un franc sourire. Or, je ne souris pas. Mais vous le saviez. Il n'y a rien qui transite par ce vaisseau, mon vaisseau, sans que vous en soyez informé. Rien ne m'a cité à croire que le père de Jacob avait survécu. Mais je suis ravi que cette situation soit enfin élucidée. Admettons que ce soit pas vous. Alors qui? Moi. La taupe toute désignée, ouais. Pour l'aider ou la détruire? Qu'est-ce que vous vouliez faire, au juste? Lui rendre service ou lui mettre le nez dans la merde? La façon dont il a résolu l'affaire est de son seul ressort. À une époque, vous vous étiez confié à moi. En vous transmettant ces infos, j'avais l'impression de tenir parole. Et je tiens toujours parole.
Miranda, votre interprétation libérale des protocoles de sécurité fera l'objet d'un débriefing à huis clos. Shepard ? Jacob ? Connard ? Ça va ? Ça vous convient tout ça, Jacob ? Le capitaine Taylor peut aller moisir en prison. C'est pas ça qui va me pourrir l'esprit. En ce qui me concerne, le père que je connaissais est mort depuis longtemps. D'accord. En fait, il a été assez bon père pour que même lui n'arrive pas à me faire douter de ce qu'il m'a appris. Surpris pour Miranda, un petit peu quand même. Vous ne vous doutiez pas que Miranda était derrière tout ça ? Non, elle a une bonne mémoire. Sélective, mais bonne. Moi, ça m'était sorti de l'esprit depuis longtemps. Tenir parole pour quoi, d'ailleurs ? Aucune idée. Et je tiens pas non plus à le savoir. Il lui faut quelqu'un de mieux que moi. Ok, voilà, on s'y... Allez, le travail n'attend pas. Bien, commandant. Shepard, merci pour le coup de main. Y a pas de quoi. Pas de soucis, Jacob. On est potes. Jacob, je l'aime bien. Depuis le début, il est franc, il est droit. Consignation. Bon, faudra faire des recherches. Par contre, on va aller au labo. Shepard, que puis-je faire pour vous ? Amélioration. Des idées pour nous préparer au mieux. Quelques-unes. Coûteuses, mais okay. Potentielles. Coûteuses, bah. Armes. Alors. Fusil d'assaut. Mitraillette. Je crois que j'en ai une mitraillette. 2005. Putain. Des idées pour nous préparer. Armes. Pistolet lourd. On va l'augmenter. Pistolet lourd, c'est pistolet de base. Ben. Shepard, que puis-je faire ? Quelques-unes. Allez. Armes. Pistolet lourd. Ah, oh, on peut encore. Plus 30. Bah, ça va faire mal, ça, par contre. Shepard. Shepard, que des idées quelques-unes. Pour alors, armes, qu'est-ce que je peux faire encore ? Mitraillette. Ou fusil d'assaut, c'est quoi le fusil d'assaut ? Et la mitraillette. Ouais. J'ai regardé. Amélioration vaisseau, est-ce que je peux faire quelque chose ? Sonde. 100% de capacité en sonde. Oh, 15 000 ! Canon. Tice de fracture turienne a été ajouté au vaisseau. Il peut venir à bout d'un vaisseau récolteur après des coups répétés. Il faut absolument du platine. Prototype. C'est quoi ça ? Technologie cryo utilisée pour modifier le projectile. Un laser fournissant transforme un projectile en un petit condensat de Bose-Einstein. Entraînement avancé. Élément zéro requis. Shepard peut apprendre un pouvoir exclusif. Chaque nouveau coéquipier loyal augmente le nombre de pouvoirs disponibles pour Shepard. On va le faire après. Du coup, on armure. Biotique, technologie. Pouvoir tech. J'avais dit que je faisais quoi ? Armure. Non, c'était vaisseau. Vaisseau, on va augmenter la sonde. Voilà. Ok. On va vite fait parler à Jacob, voir s'en est où. Merci de nous avoir détourné sur le Garnsback. Je suis soulagé de pouvoir rattraper ce foutoir. Et ne vous bilez pas, ça n'affectera pas mon comportement en mission. J'ai tourné la page. Ok. J'aimerais en savoir plus sur vous. Déjà, je suis pas d'humeur, Shepard. On verra ça plus tard. Ok, ça me va. On en parlera plus tard. Ça m'arrange, même, j'ai envie de dire. Bah, allons directement prévoir pour l'épisode suivant, au final. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Ok. Que puis-je faire pour vous, commandant ? Il y a quelque chose que je dois savoir. Vous avez des messages non lus sur votre terminal privé. Autre chose, commandant ? Non, bah non. Ce sera tout. Bonne chance, Shepard. Des messages. D'accord, des... Ça, ça... Ah, Bélé ! Salut Shepard, juste un mot pour vous dire que le petit Drell va bien, cool.
Tous les papiers ont été faits et il travaille désormais pour moi. Il m'aide à faire un peu de ménage dans les secteurs. Ça m'aidera peut-être à rendre la vie des gosses comme Mouse un peu meilleure. C'est pas non plus parfait, mais bon, ce sera déjà pas mal. C'est cool. Par contre, je sais pas si votre Drell et le mien se parlent vraiment. Je lui ai dit que la vie était trop courte pour s'embêter avec ce genre de choses. Mais je sais pas si ça aurait eu de l'effet. Bon courage à vous, Bailey. Cool, Bailey, j'aime bien. Là, il est devenu. Au tout début, il était chelou, mais là, il est pas mal. J'ai mon ventre qui gargouille. J'ai trop faim. Ouais, il est 16h26, j'ai pas encore pris mon petit déjeuner. Mais vous en avez rien à carrer. C'est là-dessus qu'on s'arrête. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 45 et pour l'épisode 46. Je vais regarder si j'ai encore assez de place pour continuer à tourner parce que là j'ai commencé à l'épisode 33. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 épisodes. Ouais, oui, 12 épisodes de tournée. Oui, ça fait du calcul à faire. 45 moins 33. Voilà. Enfin 44 moins 33, mais il faut inclure, donc c'est pour ça que je compte 45. Et ben voilà, on s'en fout. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde. Pousse.